Notre quotidien s'accompagne de sons d'une diversité à laquelle nous n'accordons que peu d'importance aujourd'hui. Peut-être par accoutumance ou par rejet, mais la diversité sonore ne signifie pas que les sons que nous entendons soient agréables à entendre. Ce qu'on désigne par le terme de pollution sonore est ressenti différemment par chacun, en fonction de sa propre sensibilité au bruit et en fonction de son cadre de vie. Cette vidéo a pour but d'illustrer la variété des sons qui constituent l'environnement sonore du Grand Lyon, à travers les différents modes de transport et dans des contextes différents. Ainsi, nous commencerons cette balade sonore en plein centre de Lyon, place Bellecour, plus grande place piétonne d'Europe, où la plupart des modes de transport sont présents. Place Bellecour, par exemple, le bruit n'est pas gênant, c'est un bruit qui est assez diffus, surtout en ce moment, là, en plein mois de juillet. La ville, ce qui est intéressant, justement, c'est que le bruit, c'est rassurant. Il y a du monde, il y a des rencontres possibles, et le bruit, c'est la vie, c'est les gens qui sont là. Le bus, rarement, le vélo, à pied. De la République, y a régulièrement beaucoup de monde, mais en règle générale, c'est assez pratique. Parce qu'elle traverse quand même Lyon de part en part. Les places 2 et les G2 sont assez bruyantes, mais sinon, en bruit extérieur, au niveau des voitures ou des gens, c'est tout à fait normal et agréable. Nous sommes ici au Terreau, place très populaire de Lyon, attenant à l'hôtel de ville et à l'opéra, où les gens cohabitent avec voitures, bus et trolleys. Le niveau sonore de la place est d'environ 70 décibels. Mais l'on trouve ici un havre de paix inattendu, dans la cour du musée des Beaux-Arts, où le niveau est bien moindre. En même temps, c'est normal que les gens veuillent se déplacer, donc je pense qu'il n'y a pas de solution. Après, il faut l'accepter. Les quartiers où il y a de moins en moins de voitures, forcément, c'est bien plus silencieux. À l'image de l'opération En ville sans ma voiture, la rue Henri Barbusse s'est vue privée de circulation automobile une partie de l'été, montrant ici un exemple de situation changeante.
dès que l'on quitte les rues centrales et places piétonnes de Lyon, on arrive sur de grandes rues et avenues où les voitures, les bus, les trolleys et les tramways font la loi du bruit et des nuisances sonores. Le bus s'énerve facilement et klaxonne. Le bus électrique fait beaucoup de bruit aussi. Ah ouais, non, le bus c'est un bruit assez aigu. Ouais, mais c'est pas le même bruit quoi, c'est plus. Non, notamment c'est quand t'es chez toi, par exemple, tu l'entends quasiment pas. Regardez, le bus à l'arrêt, voilà. Il fait pas de bruit. Est-ce que vous l'entendez à la caméra? Non, vous l'entendez même pas. Par contre, la voiture, là, vous l'avez bien entendu. Voilà. Donc, il fait juste un petit peu de bruit, mais c'est agréable, en fait, à l'oreille. Voilà. Non, mais le pire, c'est les scooters, là. Ouais, les scooters et les motos, surtout le soir. Ils ont des bruits, là. Des fois, c'était limite, je voulais lancer les Harley Davidson. Hi, maman. C'est pas possible. C'est vraiment désagréable, les bruits de la ville. Ah, par exemple, vous pouvez écouter, on c'est trop de décibels. On entend que ça. Les moyens de transport que j'utilise le plus à Lyon, c'est le métro et le bus. Je sais que j'ai l'habitude d'entendre, de reconnaître automatiquement quand le tramway passe et puis les bruits de voiture quand ils accélèrent le feu et qu'ils font crisser les pneus. Donc impossible de dormir la fenêtre ouverte parce qu'il y a toujours des voitures qui passent et des trams et des bus. Et des sirènes de pompiers ou d'ambulances. Outre les monuments qui ornent le vieux Lyon, ce centre-ville numéro 2 offre une sonorité bien particulière, caractéristique des rues pavées, comme ici dans le quartier Saint-Paul.
La ligne Saint-Étienne-Lyon, ouverte en 1830, fut l'une des premières lignes ferroviaires du monde. Rattachée à la gare de Lyon-Perrache en 1860 et à celle de Lyon-Pardieu en 1983, Lyon forme désormais un nœud ferroviaire important, assurant la liaison nord-sud en France. La nuit, le train de marchandises, ça fait un bruit. Ah oui, c'est vrai, ça n'arrête pas la nuit. Nous voici au parc de la Tête d'Or, zone calme et lieu emblématique de Lyon, où seuls quelques trains, en bordure du parc, viennent perturber la tranquillité des usagers. C'est aussi un lieu réunissant une grande variété de transports dédiés aux loisirs.
Le vélo, et principalement le vélov, sont très utilisés à Lyon. Très silencieux, on les retrouve notamment sur les pistes cyclables des berges du Rhône. Lyon, la ville aux deux fleuves, doit une part de son développement économique au Rhône et à la Saône. Si son paysage sonore fluvial a globalement changé en un siècle avec l'apparition de bateaux touristiques, utilitaires et de loisirs, ses voies d'eau sont encore sillonnées aujourd'hui par bon nombre de péniches. Aujourd'hui, 75% des actifs du Grand Lyon utilisent la voiture pour se rendre au travail, et ce, au détriment de nombreux concitoyens vivant dans des zones de bruit anormalement élevées. Ces zones se situent essentiellement en périphérie, au voisinage de grandes infrastructures routières, comme ici aux Essarts. Avec ses 45 ponts et passerelles, le Grand Lyon mérite bien son nom de Cité des Ponts. Le Grand Lyon possède aussi 13 tunnels urbains, de longueur allant jusqu'à 3730 mètres, soumis à un trafic quotidien très important, comme on peut le voir ici à l'entrée du tunnel de Fourvière. Tous les tunnels ne sont pas que routiers. On en trouve aussi dédiés aux modes de transport des plus anciens, la ficelle ou funiculaire de Fourvière, aux plus modernes comme le métro.